Bonjour, je m'appelle Yves Kikerez, proviseur honoraire, commandeur des Palmes académiques, promotion 2002. Je suis né à Taza, Maroc, le 15 juillet 1942. J'ai eu une enfance et une adolescence très heureuses, sans aucun problème de scolarité. À 17 ans, j'ai poursuivi mes études au gré des mutations de mon père, en France d'abord à Béziers, au lycée Henri IV, baccalauréat mathématiques élémentaires, puis à la faculté des sciences à Besançon en mathématiques générales, tout en étant maître d'internat. J'ai choisi cette profession car je voulais m'investir auprès des jeunes pour leur formation et leur éducation. À partir de 1978, je commence ma carrière de personnel de direction. Six ans adjoint au proviseur de lycée de Kourou, puis nomination en Guadeloupe en septembre 1984, comme principal du collège de Vieux-Fort, durant trois ans. Quatre ans principal du collège de Mornalo, puis j'ai été nommé proviseur du lycée de Sainte-Anne en septembre 1991 pour ouvrir le lycée. À partir de 1986, j'ai décidé de prendre des études de droit pour parfaire ma formation professionnelle et progresser dans le métier de personnel de direction. De septembre 1991 à fin août 2002, j'ai exercé la fonction de directeur de cabinet du recteur Chardon, avec qui j'ai eu le plaisir de mettre en place et de développer l'Académie de la Guadeloupe. En septembre 2002, j'ai souhaité terminer ma carrière comme proviseur. J'ai été nommé au LGT de Bainbridge, où j'ai pris ma retraite fin août 2005. J'ai continué à militer dans les associations, dans la vie politique, en essayant d'aider au maximum les jeunes, en particulier ceux qui étaient le plus en difficulté. Je dirais aux jeunes de se battre pour réaliser leurs projets professionnels et leurs projets de vie. Avec de la volonté, tout est possible.